10, 9, 8. Oh là là. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, mesdames et messieurs. On a la télémétrie pour l'instant du booster là, donc je vais rester ici. Ça y est, c'est parti, 22 secondes de vol. Tous les, tous les moteurs sont allumés. Et on a, oui, le on a tracking. Les images du tracking. C'est totalement fou. Oh là là, les images sont folles. 30 seconds into flight, we are feeling the rumble. We are seeing 33 out of 33 Raptor engines ignited on the Super Heavy booster. Tous les 33 moteurs sont là. Allez, on est déjà à 5 km d'altitude. On va avoir la réponse si les changements ont été assez solides. Continuing to get good callouts. Our trajectory looking nominal. Systems looking nominal. Just amazing to see all 33. T'es nominal pour l'instant. Oh les images! Oh les images! At this point, we've already passed through max Q. Il manque quelques tuiles, effectivement. Quelques tuiles qui manquent sur une section importante, mais. Passing supersonic, so we're now moving faster than the speed of sound. Getting those onboard views from the ship cameras. Oh là 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 là! Ok, la prochaine étape, ce sera du coup la séparation entre le booster et le vaisseau. Major milestone is going to be a hot staging maneuver. Again, we're going to be doing that in just about 90 seconds. Oh là là, ouais, il manque des tuiles. Hein. Il y a quelques tuiles qui ont sauté, malheureusement. C'est beaucoup mieux que S25. Ça va être, il y a beaucoup mieux que S25. Ouais. On n'a pas le plan complet. And the clamps holding the two stages together are going to release. Starship second stage. Ça a l'air mieux. Its engines, the RVAX first. The sea levels right after that. Sea level engines des Raptors exceptionnels. Or just kind of ouais, ça c'est vraiment un très très bon point confirmé. Les 33 moteurs Raptor qui marchent. Might be able to see those. On va attendre right le réallumage pour la fiabilité. Non, mais la fiabilité au moins au décollage, quoi. C'est-à-dire que ouais, là, là-dessus, elle est exceptionnelle par rapport au premier vol. Ouais. Oh là là, le chat. 30 secondes, diode staging. Alors. All right, counting down now. Je vous rappelle, hein, me spoilez pas si vous le voyez avant moi. Right. Attendez que je le tire. Attends ta réaction. 55 km d'altitude. Ouais, les caméras, c'est. The engines ignite on ship, pushing it away. Oh là là, on voit le gravity stern. Merci, Starlin. Et on arrive à, effectivement, alors je vais hop, enlever la télémétrie pour voir, c'est bon, allumage, c'est parti, oh et la séparation est magnifique. Attends, allumage et rééteignage tout de suite ou... Alors, là, le tracking c'est bon, ici, c'est bon, c'est bon, Starship, tout est bon. Tout est bon, regarde le booster, la télémétrie sur le booster, elle est parfaite. Ah oui, il gagne de la vitesse encore, ouais. Oh là 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 là! C'est incroyable! Kate, we got a starship on its way to space and a booster on the way back to the Gulf. Oh man, I need a moment to pick my jaw. Il tourne le booster. Ouais, c'est le booster ça? Oui, c'est le booster. Ouais, ça. Ouais. Je dis booster. La vue depuis le booster. Là, il se stabilise là. J'ai l'impression qu'il se stabilise. Tourner peut-être pour retrouver la bonne attitude pour revenir vers la Terre. Par contre, là, il est au bout de ses réserves de LOX. Là. Ouais, il a plus rien. Bah, il coupe. Là, c'est dans il coupe. Bizarrement, par contre. Alors, c'est marrant parce que c'est pas la même séquence de coupage des moteurs. Mais en tout cas, le tout se passe à la perfection. En tout cas, oh là là, on est au même niveau que le vol 2 pour l'instant. Mais on dirait des animations. C'est totalement dingue. Non, mais là on est dans l'espace avec. Il est à 106 km le booster. Hein. Et le Starship à 114 km lui. Ouais, ça dégage bizarre là par contre. Non, c'est normal. C'est. C'est normal. Il y a eu quelques. Normalement, il y a une purge moteur à ce niveau. Ok. Ouais, si c'est bon, ça a l'air pas. Ouais, on va suivre. C'est magnifique. Et en tout cas, les caméras, le tracking est fou. Et on est parti, si tout se passe bien, le chat, on est parti pour 1 heure de mission là. Ouais. Encore 1 heure de mission, hein, parce que là, on va devoir faire le. Enfin, on va devoir, faut que j'arrête de dire on, mais le SpaceX va devoir faire du coup l'ouverture de la trappe, le transfert d'ergol, le réallumage du moteur, la fermeture de la porte ouais. et la réentrée.
Bah là, il faut déjà monter jusqu'à 28 000 km/h environ. Oui, on est à 9 000. Il y a encore un peu de travail côté Starship. Mais les réservoirs sont pleins, donc on va y aller. 8 minutes 35, le cut-off du Starship. Donc, 3 minutes 30. Et ça y est, on voit, on est d'accord, il reste rien quoi. Niveau log, ça c'est. Ah bah c'est tout, ouais, c'est pile poil. On verra s'il arrive à se. À annuler sa vitesse et à faire un soft landing parce que le but du Super Heavy là, c'est d'atterrir très doucement dans la mer pour simuler comme un retour en fait sur la tour. Et pendant ce temps-là, vous voyez que sur la télémétrie, que le Starship lui. Là, ça se réoriente. Ouais. Avance très bien. Là on est on est plus loin que le 2 puisque ça n'a pas explosé. Et mesdames et messieurs, la Terre n'est pas plate. Ça va exploser à 24 000 km/h le 2. Incroyable. Super Heavy est vertical. Ouais. Non mais on se rend pas compte. 70 mètres juste pour Super Heavy là. Ouais, il y a un immeuble qui est en train de tomber tout droit là. Ouais. Là, on a deux objets, des immeubles qui sont en train de voler tranquillement. Ah, c'est incroyable. Et puis déjà 12 400 km/h pour le Starship. Je vous rappelle que la vitesse orbitale, c'est 28 000 km/h. Aujourd'hui, il ne va pas se mettre en orbite. Hein. Il sera sur une trajectoire balistique. Ouh, et les Gryphons qui bougent, les à gauche. On est à 40 km déjà. Donc, ouais, ça, tu rentres dans l'atmosphère assez dense. Oh là 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 là. Mais comment ils arrivent à maintenir le lien, quoi. Ah, c'est fou. Hein. C'est un immeuble. Même l'aspect télécom est impressionnant. Juste le challenge de télécommunication de garder ces images en temps réel. 20 secondes. Landing burn. Va-t-il réussir le landing burn? Ça a l'air stable. Regardez quand à travers les nuages là, c'est fou. Ça a l'air d'être stable en tout cas. On est encore Mach 2. Hein. Ouais, c'est normal. Oh, la vitesse de rentrée est folle! Oula! Oula, est-ce qu'il garde la stabilité? Oula, ouais. Est-ce qu'il garde la stabilité? On va voir. Oh, la stabilité est dure! Réallumage des moteurs! Aïe, c'est un échec! Ouais, c'est un échec! J'ai l'impression. Et un crash à 1000 km/h pour le booster. Ok. Bon, ils vont avoir de la data. En tout cas, ça a avancé un peu pour le booster, mais la stabilité du retour. Ouais. Bah, le landing burn, c'était. J'y croyais pas. Bon, on est avec le vaisseau. Le vaisseau, lui, il est à 144 km d'altitude. On voit qu'il manque quelques petites tuiles, mais pas tant que ça, comme tu disais, Greg. On n'est pas sur 40 tuiles qui manquent, on est plus sur 2-3, j'ai l'impression. Ouais, c'est. Alors, on voit qu'une seule. On voit pas le nez, et on voit qu'une seule moitié, et encore un tiers de la couverture, donc. C'est un peu dur à évaluer. On peut peut-être survivre. C'est déjà dingue. Petite info, vous voyez, hein, il est à 22 000 km/h. Regardez ce qui lui reste en LOX et en CH4. Comme je vous le disais, le Starship, une fois qu'il arrive en orbite, il est à bout de souffle. C'est un immeuble qu'il faut mettre en orbite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On va passer 24 000 km/h. Voilà, là, on est plus loin qu'au deuxième essai. Ouais. Et du coup, il va falloir couper les moteurs. On coupe les raptors. Ça y est, les raptors du vide ont été coupés. Ah, c'est intéressant, ça. On coupe d'abord les airbags. Continue à pousser. Ben oui, c'est bizarre. Moi, j'aurais continué à pousser avec les vacuums. Oui, c'est. Alors, c'est bon. Mais ils ont dû. Tous coupés. Pas les TVC. Tous coupés. Pas les TVC sur les... Oh, okay. Ça n'a pas explosé. Pas encore, en tout cas. Ouais, ça bouge. J'espère qu'il va y avoir d'autres caméras, genre sur le dessus de la trappe. Ce serait top. Ça n'a pas encore explosé. Pourquoi il y a autant de ventiles du compresseur? Est-ce qu'il a pas une fuite ou quelque chose là? Parce que. À voir. Ou alors, c'est. Ouais, je sais pas. Des espèces de. J'ai l'impression qu'il y a une partie au moins qui fait du contrôle d'attitude. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Mais c'est vrai que ça dégage pas mal. Attends, mais là, on regarde vers le haut. On voit la rentrée atmosphérique avec cette caméra, quoi. Ah, c'est dingue. On regarde vers le. On est au haut là. Et on regarde vers le bas. Ouais. L'attitude est un peu bizarre parce que c'est vrai qu'on est sur le côté quoi. On s'attendrait à ce que le.
at 820. On dirait qu'il est en train de faire une rotation, non? On dirait qu'il tourne. Ouais, mais... Je sais pas. 33 Raptor engines. Non, j'ai l'impression qu'il reste, comme ça, à 90 degrés. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Hein. On dirait qu'il est sur la tranche, ouais. Après aussi, il faut savoir que c'est la première fois qu'il teste le RCS du ship, le contrôle avec les vents. C'est du jamais vu, donc ça peut ne pas marcher. Ouais. Vent direct depuis les réservoirs pour les RCS. Ouais. C'est la pression les deux. On est parti pour du coup, tant que ça n'a pas pété le chat, on est parti pour encore 50 minutes d'émission là, voire plus, 55 minutes. On voit la Terre qui défile en dessous. On est à 26 418 km/h. Il manquait rien pour se mettre en orbite. Ça continue de dégazer sur ça. Ouais, il y a c'est peut-être les petits vents qu'on avait vus au début de live. The mission just started, ouais. Wow. Pour gérer, pour tasser les... Ah oui, peut-être. Et pourquoi ils sont toujours en activité? Il y avait aussi des hypothèses comme quoi c'était pour le RCS aussi. Possiblement, c'est pour contrôler... Et le transfert d'ergol, il n'y aura pas besoin de tasser dedans? Ah, je pense que si, parce que c'est compliqué de transférer des ergols. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'ils sont en train de le truc genre agir en continu. Bon, ce serait énorme comme. Ouais, là, s'il y avait vraiment un incendie, je pense que ça aurait pété depuis un petit moment. Ouais, j'ai l'impression qu'on est en crabe. Il n'y a pas par une seconde qui se passe sans que ça dégaze. Hein. Ouais. Il tente le ravitaillement, tu sais, il ravitaille toute l'orbite. Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même costaud comme fuite là. La porte devrait s'ouvrir dans 10 secondes. Ah, la porte, ce sera une étape de plus, mais c'est une étape qui concerne SpaceX. Hein. Ça qui ne veut pas concerner la NASA, mais bon. Oh, il y a mis une caméra à l'intérieur du corps et on verra l'espace à travers la fente. Oh, si ils ont fait ça, c'est vieux. La porte, bah, c'est la porte du vaisseau pour qui teste dans l'espace pour pouvoir libérer des satellites. On n'a pas de cam. C'est en cours actuellement, mais... Ah. Donc on a encore Et la télémétrie qui est toujours bon, qui bouge toujours, donc ça n'a pas explosé. T'as mis une petite musique. Je sais pas si j'ai les droits sur cette musique, moi. L'ascenseur, incroyable. C'est des trolls à max. Ah donc, ils coupent leur live, quoi. Bah, ils sont... Ah, mais attends, c'est pas... On n'a pas une vue en bas de l'ouverture de la... C'est fermé. Ouais, c'est pas très bon ça. Là, c'est une caméra depuis le haut et c'est vers le bas là. Ouais, on voit vers le bas et on voit le. Normalement, alors je vous mets en plein écran le chat, on devrait voir en fait la bouche ouverte et j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Par contre, on voit de la. Ah, mais elle est peut-être ouverte de l'autre côté. Elle est ouverte, mais je pense, mais du coup, elle est basculée dans l'autre sens. Ah oui, la bouche est ouverte. Oui, oui, elle est ouverte. Elle est à 90 degrés. Exactement. Elle est à 90 degrés, en fait, ouais. Ouais, excusez-nous le chat. La sortie. Parce que je voyais les lumières qui bougeaient, et du coup, ça, c'est de la lumière externe, et du coup, forcément, oui, c'est ouvert. C'est ouvert. Ouais. Donc, ça a marché. Énorme. L'ouvert. On verra. Si, elle bouge, mais très lentement. Ah oui, si, elle bouge. Elle bouge. Oh là! Il vient de se passer un truc d'ailleurs, elle vient de se décrocher comme d'un coup. Ouais. Mais elle est pas fermée. Ouais, tu rends ce cas assez héroïque, je crois. Elle est pas fermée en tout cas. Je sais pas si le mécanisme a pété. Ça va être une rentrée héroïque. Oh, les images en tout cas. Il est en train de larguer des bouts de on sait pas quoi là, le Starship. Waouh, les images là, sont incroyables. Oh, toujours. Ouais, il y en a avec les réservoirs vides comme ça là. Ouais, il y en a encore. Ouais, ça va être une rentrée à la KSP là, parce que vu qu'il tourne comme ça, la rentrée ne réussira pas. Hein, c'est un spoiler direct. Là, c'est vraiment du KSP quoi, c'est instable au possible. Y a-t-il un pilote dans l'avion, quoi? Even though we do have these great visuals now,
Don't be surprised if we manage to get some signal hiccups through. We're still learning about what that wake will actually look like in practice. And donc ils vont tenter de garder le flux vidéo avec ce qu'ils appellent l'espèce de trace que va laisser le Starship lors de sa rentrée. Ils n'arriveront pas à le garder. Une fois que tu auras un placement important autour du vaisseau, sera. Ils disent en fait que le Starship est tellement grand qu'il va laisser un trou dans le plasma. Ce qu'ils disaient. Peut-être, mais. Il faut qu'il soit stable pour ça. Oui, et là, effectivement, ça n'a pas l'air d'être très simple. Par contre, les images sont folles. Dans cette position, en tout cas. We really want to know how the ship's going to perform, especially that heat shield as we're going through the hypersonic reentry. So if something were to go wrong during this reentry, we want as many paths as possible to collect that information. Ils vont prendre des data, mais c'est pas des data qui les intéresse parce qu'ils rentrent pas bien là. Into start the Starship program to make each flight more reliable, more successful. Acquisition signal, Mauritius. Ouais, il est magnifique en tout cas. Il retombe, il retombe tout droit. Il va rentrer avec les tuiles thermiques en haut, si ça se trouve. To make it all the way through re-entry, we'll collect valuable data on Starship flying through the Earth's atmosphere at hypersonic. Ah, les ailettes bougent. Les ailettes bougent pour tenter de faire un truc, peut-être. Est-ce qu'ils commencent à avoir suffisamment de... À 114 km d'altitude, ça m'étonnerait beaucoup. Hein. J'ai l'impression qu'il y a du matériel qui parle. Ouais, il y a des petits trucs noirs là. Bah, c'est peut-être les joints des ailettes ou des trucs comme ça, vu qu'elles ont été actionnées. Now, we've already validated Starship's ability to fly J'ai l'impression qu'il se met bien. Il se met bien pour sa rentrée. Ça commence à se stabiliser un petit peu. Non, mais encore à 107 km. Si la rotation continue, on a peut-être la chance qu'il se stabilise au moment où ça tape l'atmosphère vraiment. Mais là, on est à 106 km pour l'instant. Il ne touche pas assez l'atmosphère pour avoir vraiment quelque chose, mais là, oui, là, ils rentrent pas du tout dans le rond. Parce que là, les vents ne font rien. Ils peuvent pas du tout contrôler avec les vents le véhicule. Il n'y a pas assez d'air. Il... Voilà, là, ils essayent de le bouger. En tout cas, ils ont des bonnes datas sur le contrôle. Ils essaient de se débattre, mais son destin est fini. Son destin, ça va être compliqué, ouais, j'avoue. Oula, ça chauffe là, non? What? Déjà, ça chauffe tant que ça? Oh, l'image est folle! Non, c'est le soleil! Non! Non! Oh, c'est incroyable l'image! Wow. Il se passe bien! Il se met bien! Wow. C'est trop bien! Mais j'ai jamais vu ça, c'est fou! Non, mais par contre, son attitude, c'est toujours catastrophique. Là. Ouais, là, ça va péter. Là, ça va faire mal maintenant. Il va jamais survivre à ça. Il va pas survivre à ça. Ouais, c'est Starlink qui gère la vidéo pendant la réentrée. Ça, c'est fort. 94 km. Mais non, mais. La télémétrie. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Comment on peut avoir les caméras et pas la télémétrie, c'est dingue. Oh là là, là ça se passe pas bien. Ouais. Oh là, ça va. Oh la vache. Oh là là. Aïe. Attendez. Et comment il arrive à être encore à pas avoir explosé ce truc? On a effectivement le live vidéo de la réentrée, ce qui est absolument incroyable. Alors la caméra est en train de subir. Mais le Starship n'a pas explosé encore, mesdames et messieurs. Comment il a fait pour pas exploser? Je refuse d'y croire. Il est encore en rotation. Il tourne. Comment il a fait pour pas exploser le truc qu'il prend Ça va fond. Oh là. Ah voilà, là c'est bon, là c'est les... Ah mais il a la tête vers le bas là. Là c'est les... Oui. Là c'est bien. L'image est folle. On voit sur la télémétrie qu'il tourne encore le... Ouais, il est... J'ai l'impression que les ailettes essaient plus de... Ah la télémétrie qui est revenue? Non. On n'est pas à 26 000 km. Il a accepté son snore. Once again, the atmosphere is doing us a big favor here by... Qu'est-ce qui se passe?
Il n'a pas explosé, hein. Oh, les data, non, les data collectées vont être folles, par contre, hein. Là, là, ça va beaucoup leur servir. Repart un peu. Il est survivant. Il est toujours vivant. Il est toujours vivant, mesdames et messieurs. Peut-être. On voit la télémétrie est repartie en tout cas. Ah. And so that's the purpose that they are serving. Ils ont sauvé la sonic phase and then again during the sonic phase. Oh, on a une caméra qui marche toujours. Il n'est pas mort. Ah là, ça bouge plus. Oula, il vient de faire un gros mouvement de télémétrie. Ouais. Oui, oui, la télémétrie a fait des choses bizarres. Là. Les images étaient folles de la réentrée. Bon, en tout cas, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié cette couverture de live. On continue à écouter les équipes de SpaceX. On va peut-être regarder 2-3 replays. Vous avez apprécié, Greg, Max? Ouais, le kiff absolu. Bah, moi, je vais faire des beaux rêves ce soir. Faire des beaux rêves. Oui, je rappelle que ce live, effectivement. Je veux dire, c'est... Ouais, vas-y. C'est fou de voir ça quand même. Ouais. Oh, non, mais oui, oui. Visuellement, surtout. Ce que les humains sont capables de faire. Moi, je suis en admiration devant le génie humain quand je vois des choses comme ça. Quand tu vois tous les succès qu'ils ont réussi, là, même le début, leur système au sol, ils ont réussi à tout remplir parfaitement. C'était juste des bateaux qui ont empêché le remplissage. Donc, c'est clairement très, 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 très impressionnant ce qu'ils... J'espère qu'on aura des images du sol du crash de Super Heavy, que quelqu'un a traqué ça et quelqu'un a le crash. Ouais, ça serait dingue. Ça, si on a, je surkiffe, je pense. Mes points de chaîne sont partis dans l'atmosphère. Je vous rappelle que ce live était en partenariat aussi avec SpaceFox. Point d'exclamation SpaceFox. Vous pouvez aller voir leur site internet si vous êtes intéressé. Par exemple, dans les petits bracelets que j'ai là, le bracelet Mars, parce que c'est un peu la thématique avec le Starship, hein, mine de rien, même si c'est dans très très longtemps. Il y a des petites offres en ce moment. Il y a une chamoisine qui est offerte avec le bracelet. Vous pouvez regarder aussi le bomber qu'on a fait gagner à quelqu'un dans le chat juste avant le lancement qui est ici. Il est très très classe, le bomber. Avec un patch qui a volé sur CRS-23 direction la Station Spatiale Internationale. Voilà. Je vous invite à aller voir le site de notre partenaire, SpaceFox. Merci encore une fois à eux d'avoir sponsorisé. Et avec des vrais objets spatiaux, que ce soit les fragments de météorites. Il y a des fragments de météorites dans les bracelets. C'est quand même très très impressionnant. Et je suis sûr juste avant qu'ils partent. Allez, 2-3 pour remettre le couvert. 2-3 mois pour remettre le couvert. Les mots sont pris, Max. Ils ont été dits.